Je peux vous rassurer qu'à ce jour, tout le monde est en bonne santé. Nous avons eu deux problèmes de santé. Lors du deuxième match, il y avait le cas Jacques Zoa qui avait eu un problème de contracture musculaire. Nous avons pensé ne pas l'exposer au deuxième match de peur qu'il aille vers une déchirure musculaire proprement dit. Donc nous avons voulu le préserver, lui donner un traitement adéquat pour qu'il soit bien pour le troisième match et qu'il puisse donner la performance escomptée que les coachs attendent de lui. Et le deuxième cas, c'était le cas d'Eddy. À la 24e minute, du traumatisme direct, il a eu un petit choc au niveau du genou qui ne l'a pas permis de terminer le match. On a eu exploré à travers une IRM. L'IRM nous a révélé qu'il avait une lésion, c'est-à-dire une contusion au niveau du condyle interne, qui n'est pas une lésion grave. Mais ce jour, il est pris en charge et je pense qu'avant le prochain match, il sera en forme. Concernant les mesures barrières, nous faisons l'effort d'aller dans la même lancée, test Covid tous les 3 jours. Nous respectons la distanciation de 2 mètres, le port des casques n'est obligatoire, l'utilisation des gels hydroalcooliques aussi, la prise de température chaque matin levée est de rigueur.